get drunk. Salut à tous et à tous, c'est Sprout, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour ma toute première vidéo, les peintures secrètes sur GTA 5 Online. Voilà, donc on va tout de suite commencer la vidéo. Donc pour ma part j'ai pris une Zentorno. Donc comme vous avez pu le voir à la miniature, c'est vraiment une couleur qui est très 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 belle. Voilà, donc moi je vous conseille d'avoir beaucoup d'argent, au moins 100 000 $ sur vous, pour pouvoir voilà, customiser à fond. Voilà, donc ensuite une fois que vous êtes dans le menu Duelist Custom, vous allez dans peinture, couleur principale, vous allez chercher un mat bleu nocturne. Voilà, donc bleu nocturne, voilà il est là, bleu nocturne à 10 000 $. Voilà, et donc ensuite on voudra mettre du nacré, mais là on nous dit qu'on peut pas mettre du nacré sur une peinture métallisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va aller dans métalliser. Une fois que vous êtes dans le menu métalliser, vous faites 3 fois rond pour quitter. Vous allez aller dans plaque et acheter une autre plaque. Voilà. Vous allez retourner dans peinture, couleur principale. Et là vous allez aller dans nacré. Et là hop, comme par magie, on pourra faire défiler le menu nacré. Une fois que vous êtes dans le menu nacré, vous allez descendre jusqu'à rose vif. Attendez, excusez-moi, j'ai juste un appel. Rose vif, voilà. Donc vous le sélectionnez. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on aperçoit vraiment une belle couleur. Une très très belle couleur. Voilà. Donc moi je vais vous reprendre après, une fois que je l'aurai totalement customisé. Et voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai terminé de totalement customiser ma voiture. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc ça fait vraiment des reflets très très roses sur le bleu, ça rend vraiment très bien. Voilà, donc pour ma part, moi en plein custom, j'ai pris la couleur rose vif, c'est vraiment la couleur qui va le mieux avec la peinture de la voiture. Voilà, donc vous pouvez faire vous pouvez faire avec plusieurs autres couleurs nacrées bien sûr. Je vous sortirai d'autres vidéos, j'essaierai d'en faire au moins 2 par semaine, des couleurs secrètes sur GTA 5 Online. Voilà, donc on se rend tout de suite dans mon garage pour voir à quoi ça donne à la lueur des spots du garage. Et voilà, donc on se retrouve dans mon garage. Et donc voilà, donc je vous présente la voiture qu'on vient de customiser. Et donc en couleur secondaire, je vous conseille aussi de prendre la couleur de votre crew. Donc pour ma part, moi, la couleur de mon crew, c'est un bleu foncé, donc ça rend vraiment super bien. Et voilà donc à quoi ressemble la voiture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner, liker la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.